Ah non, il attaque le brutal hybride, d'accord. J'aurais très bien pu faire un autre dans ce mais ça aurait passé. Bah oui. En même temps, j'ai un allié, il a pris deux Pokémon. Voilà. Et je me prends la bête du. Je peux rien faire face à ça. Je peux vraiment rien faire face à ça. Vraiment, je peux vraiment rien faire. Hein. L'allié, il a pris deux Pokémon. Je vais faire quoi avec sa bug en plus? Est-ce qu'il a décidé de quitter? Voilà. Oh là 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 là. Le match, je le garde. Le match, je le garde. Je l'effacerai pas. C'est quoi ce genre là? C'est quoi ces gens là? Je sais pas. Le mec, il vient avec deux Pokémon sur le terrain. Et il quitte. Il quitte dès que son Pokémon il est mort. Ouais, les gens, j'espère que vous allez tous tranquillement bien. Moi, ça va impeccablement. Mais nous voici sur Pokémon Épée et Bouclier pour un nouvel épisode Fight Shiny. Comme vous avez vu sur la miniature et comme vous voyez là à l'écran, on va jouer Duralugon, Gigamax, Ninjask et Fenard. On va voir ce que ça va donner. Alors, je mise plus sur le Ninjask là parce que bon, je lui ai appris Abri dans Slam et deux attaques. Là-bas, je lui avais appris tranche, mais je l'ai fait oublier par la place d'Abri. Car Abri peut aider parce que le Pokémon a Turbo forcément. Et je lui ai mis une ceinture pro. Alors, je vais vous montrer un peu les objets. Duralugon, je lui ai mis le reste car je dirais qu'il est assez solide. Donc, le reste peut lui servir. Ninjask, par rapport à son. Je lui ai mis la ceinture pro par rapport à ses coups efficaces, super efficaces plutôt. Et Fenard. Je lui ai mis le charbon pour frapper plus fort avec les types feu. Alors Ninjask, je lui ai mis la ceinture pro forcément. Car je vais voir s'il tape bien fort. Les EV sont bien montés. Je l'ai mis défense P et attaque. Alors je vais beaucoup miser sur l'abri. Car avec le turbo tu montes ta vitesse à chaque tour etc. Ça c'est bien. Et avec le dance slam, si j'ai réussi à faire un dance slam avec le turbo, je peux vraiment faire mal. Donc ça reste à voir. Vampirisme. J'espère ça va, je vais l'envoyer contre des bons Pokémon car ça peut me soigner. Et le lame d'air peut apeurer l'ennemi. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce Pokémon il est assez stratégique mais malheureusement pas assez défense. Enfin bref, on se retrouve de suite quand le match sera lancé. Donc j'ai trouvé un match. Aucun des trois personnes qui étaient avec moi alliés comme adversaire. Aucun n'était là, enfin aucun n'est là dans la liste. Tant mieux, j'ai pas envie de jouer avec l'autre, la Black Pink, je sais pas comment il s'appelle, Black Pink, un truc comme ça. Si vous voyez une personne comme ça en ligne, ne jouez pas avec, voilà, quittez direct, voilà. Là c'est moi, je vous conseille de quitter directement, ne jouez pas avec, voilà, parce que vous voyez le résultat, le mec il arrive, merde, le mec il arrive avec juste deux Pokémon, Tu veux faire quoi? Surtout qu'ils ont mis des Pokémon level 100 en plus. Hein. Ils ont pas mis des règles de base. Ils ont mis des Pokémon level 100. C'est infernal les gens comme ça. Je comprends pas. Donc je suis avec Shan contre Jack et James. Ok. Alors l'équipe des J. L'équipe des J contre l'équipe des Cheux. Alors on va remettre Duralugon en premier. Ninjask en deuxième. On va refaire la même compo que tout à l'heure. Merde. On va refaire la même compo, alors on a quoi en face? On a du Duralugon, ok, on a du lourd. On a du lourd en face, ça va. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ils ont tous leur équipe, par contre j'ai pas vu les équipes de mon allié. Merde, j'ai regardé les équipes des gens en face, mais pas les équipes de mon allié. Avec la musique Madin Beerus. Ceux qui connaissent Fighters, c'est un peu opératique. Eh ben là c'est une musique un peu opératique. Alors, qui ils ont décidé d'envoyer? Ok. Mon Ninjask qui risque de prendre un peu cher là sur lui. Alors, est-ce que je vais résister? Est-ce qu'il va durer mon Duralugon? Je peux Gigamax en premier, ok. Merde. Dracochoc. Sauf que là, il est plus rapide que moi, malheureusement. Dragapult, il est plus rapide que moi et je sais qu'il risque de me faire une attaque. Dragon pour essayer de m'infliger des dégâts, même si je suis neutre parce qu'il a une deuxième type acier et que l'acier, ce n'est pas très efficace. Je baisse la défense. Alors lui, putain, lui Kali, il attaque quoi?
Je vais faire ça. Ah ouais, merde, c'est pas très efficace. Je vais attaquer lui en premier. Vous savez quoi, on va faire ça. Parce que je pense qu'il y a une petite hantise qui va se placer sur le terrain. Donc je vais attendre avant de l'attaquer. Mais je vais faire ça direct. Je vais direct Dynamax. Enfin, Gigamax, plus précisément. On va voir, on va voir. Je préfère attaquer l'autre parce que l'autre, je suis certain. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va faire une hantise. C'est pas grave. Il est plus rapide que moi, certes. Hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Hantise, qu'est-ce que. Oh, mais je suis trop fort. Mais c'est pas possible d'être fort comme ça. Mais je suis trop fort, j'ai bien fait d'attaquer l'autre, tu vois, parce que là, j'aurais pas touché forcément. Ouais, ça c'est quoi, échange de talent, non? Ça, je crois que c'est échange de talent. Ah non, c'est échange d'objets, d'accord. Ah ouais, d'accord, il a pris Orbit aussi exprès, pas mal, pas mal. Bon, je m'en fous, de toute façon, c'est là le Duralugon, par contre, je vais l'attaquer. Pas le Duralugon, le Lanceaurien. En français, Lanceaurien. T'es très drôle, toi. T'es très drôle, toi. Ok, j'ai esquivé l'attaque. Ah non, non, oui, mais j'ai esquivé l'attaque. Tu parles. Donc, pas de dégâts et neutre. Ok. Donc, je vais attaquer le lanceurien. Putain, je sais pas ce que j'ai avec lui là. Ok, tu me fais un tease, tu me fais rien de dégâts. Mais toi, je vais t'exploser si lui. Ah non! Il m'a tué le bâtard. Putain, la chatte qu'il a eu. Il a eu de la chatte, il a eu de la chatte, enfoiré, il a eu de la chatte. Bon, j'espère que toi, bien joué, ça... Normalement, il meurt, non? Non, même pas, même pas. Ok. Eh ouais, lui, il a empoisonné. Allez. On va jouer lui. Je sais pas si avec le Dance Slam, je tiendrai le coup. Je sais pas si avec le Dance Slam, non, je tiendrai pas le coup. J'ai la ceinture force, ok, mais si les deux viennent sur moi, je suis pas dans la merde. Je vais faire vampirisme sur lui. Parce que si le lanceurien se met à m'attaquer, je serai plus rapide. Ben, je suis plus rapide en fait, oui, je suis plus rapide. Ok, allez, tu meurs et je récupère ta vie. Merci, au revoir. Je suis plus rapide, ok. Donc, le lanceurien, tue-moi parce qu'après je vais te tuer. Ah ben. Eh ben. Eh ben. Eh, il résiste bien lui quand même. Hein. Oh, à se faire. Mais t'es con. Ah, parce qu'il avait fait sur l'autre. Ok, merde. D'accord. Pourquoi tu as pas refait la même attaque exactement? Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Bah alors, qui tu décides d'envoyer? J'ai malheureusement pris un close combat dans la bouche qui m'a fait vraiment mal. Alors là, il va m'attaquer à moi, certain. J'ai pas d'attaque. J'ai pas d'attaque qui peut vraiment lui faire mal. J'ai pas d'attaque qui peut faire mal au Feunard en fait. Mis à part le lame d'air. À moins que l'autre fasse aura se faire, oui. Sauf que le Feunard est très rapide, donc il risque de m'attaquer à moi. Il me fait une attaque glace, je prends cher. Est-ce que je résiste? Je vais faire dans ce lab. On va faire à peu près la même strat que tout à l'heure. On va faire ça. Ah le bâtard. C'est qui a Dynamax? C'est le Feunard ou le lanceurien? Parce que là je vais me prendre la grette dans la gueule. Même si je résiste à un PV, je vais me prendre la grette dans la gueule. J'aurais dû attaquer cette putain de grette de merde qui m'a mis mal là par contre. J'aurais dû attaquer. Ouais, j'ai fait le con, j'aurais dû attaquer. Ah ouais, j'ai fait le con. J'ai fait le con parce que ma ceinture elle va se péter quand même au prochain tour. Voilà, ok. D'accord. Si le lanceurien ne m'attaque pas à moi, je survis. Ma ceinture force sera cassée, mais je survis. Non, ça va, il m'attaque pas à moi. Ok, il attaque l'allié. Au prochain tour, je peux le tuer sans lanceurien, sachant que je me suis mis baisse l'attaque. Bon, je suis à plus 1 d'attaque, t'as ça. Je suis à plus 1 d'attaque. Faut voir le low class. Putain, ma ceinture force, elle vient de se casser par contre. Faut voir avec le Feunard si. J'espère que l'allée va balancer un bon Pokémon par contre. Un truc qui peut contrer un des deux, car l'autre, je vais l'éliminer, l'autre direct. Je suis à plus 1 d'attaque. Est-ce que je le tue? Même métal. Ouais, ça peut faire l'affaire, mais métal qui est très très bon.
J'ai envie de l'attaquer à lui, je suis sûr de le tuer, mais je vais me prendre une attaque glace de l'autre côté. Et je vais le tuer. Je vais le tuer, on va faire ça comme ça. Même pas? Wow, mais vraiment? Vraiment, hein? Aïe, bon, moi je suis mort clairement. Même pas, oh j'ai survécu. Non mais frère, mais... Et comment que ça arrive des trucs comme ça? Spectre, ok. Il veut pas m'attaquer lui. Voilà, ben je suis stun et au final, voilà quoi. S'il arrive à se dégeler, pourquoi pas. S'il arrive à se dégeler. Mais une chance sur 15, Ok. Il est mort, bon, clairement, il est mort, hein. Ok. Merci. Mais bon, ça m'a pas sauvé pour autant. Ouais. Prochain tour, je meurs de toute façon. Et Melmetal qui a un très très bon Pokémon. Qui a un très très bon Pokémon. Vivement son Gigamax. Vivement qu'il arrive très vite d'ailleurs. Histoire que le mien que j'ai en Shiny, je le mette Gigamax. Justement. Ah, là il a invoqué le vrai par contre. Là il a invoqué le vrai. Et moi je suis dans la merde de toute façon. Je suis dans la merde. J'aimerais bien me décongeler. Alors ça serait le top que je me décongèle maintenant en fait. Eh ouais. Je peux pas me décongeler bordel. En plus avec la grêle ça m'étonnerait. Il est con lui. D'accord. Bien joué le lance rien. C'est bien, je suis stun, tu sais que je suis gelé, que le gel ça dure limite 15 tours s'il faut. Mais tu m'attaques à moi. D'accord. Il résiste pas, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud là, il reste un Pokémon chacun. Ça m'étonnerait que mon Feunard résiste là par contre, ça m'étonnerait. Et j'ai rien pour... J'ai rien contre lui en fait. J'ai rien contre lui. Après si je réussis pas, écoutez, c'est pas grave, ce n'est pas très grave. Bon, quel est son dernier Pokémon? Zeraora. Ah, ça peut faire la différence, ça peut faire la différence. Zeraora, ça peut faire la différence. On va voir, on va voir. Ah ouais, lui c'est assez efficace, ok. Plénitude, feu follet. Feunard, il est rapide, mais pas plus que l'ansaurien. Juste voir vite fait le résumé, sa vitesse. Non, il est bon, ouais. Il est rapide, mais sans plus. Ça, je sais pas. Je sens que je vais le regretter si je fais plénitude en fait. Je sens que si je fais plénitude, je vais le regretter. Je vais faire plénitude. Allez, on va tenter ça. Ok, il attaque à moi. Je pensais qu'il allait faire un tease, un truc comme ça. Résiste bien. Oui, il résiste très très bien même. Très très bien même, il résiste. Ok, ben je pense qu'il attaque le lance-aurien. C'est ça? Non, même pas, il attaque lui. Ok. Oh, ça fait de bons dégâts. Ça fait de très bons dégâts. Ok. Casque brut. Ok. Papillodance, ok, ben ça augmente attaque SP, la défense SP et la vitesse. Et moi je fais plénitude. Donc, il suffit que je tombe sur un Pokémon qui est, que je suis plus rapide. Il est mort. Clairement il est mort. Ok. Je vais prendre des petits dégâts. Surtout que j'ai le charbon, donc je peux faire beaucoup plus de dégâts. Lui, prochain tour, il meurt, le lance-aurien. Le lanceurien il meurt au prochain tour. J'aimerais bien l'éliminer maintenant en fait. Mais même s'il va m'attaquer avant, au prochain tour il est mort. Donc autant attaquer l'autre. Parce que dans les deux cas, il meurt. Dans les deux cas. Psycho. Il résiste. Ok. Bah l'ombre. Non, moi je résiste normalement. Je résiste même très très bien. Même très très bien, je résiste. Ok. Il a tué lui. Moi, je vais tuer le lance-aurien. Et je suis à plus 1 d'attaque SP et défense SP. Corps ardent. Ah ouais. Waouh. Plus le casque brut, ça fait mal. Et là, il va mourir de la brûlure, malheureusement. Malheureusement. Et toi, tu meurs aussi, forcément. Malheureusement, l'autre va mourir de la brûlure. Je serai tout seul sur le terrain contre deux Pokémon. Avec la moitié des PV, ça risque d'être très chaud. Je pense pas résister. Je pense pas résister. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Malheureusement, le corps ardent, c'était très bien joué. Je trouve que c'est très bien joué d'avoir laissé corps ardent. Il fallait des Pokémon d'attaque spéciale, mais
C'est pas grave, c'est pas grave. Qui, les deux vont balancer contre moi. Il leur reste tous les deux un Pokémon de toute façon. Ok. Ah non, il reste, d'accord. Je crois qu'il attaque, ouais, il attaque au corps à corps lui. Il attaque au corps à corps donc. Je sais pas, je vais y faire foufouler juste comme ça. Oh putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai ça. Oh là 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 là. J'aurais pu y faire deux lance-flammes. Ça aurait peut-être changé la donne. Fais voir. Je vais voir. Est-ce que le lance-flamme c'est neutre sur lui? Donc, fais voir. Eh ouais, je l'aurais tué. J'aurais gagné le match. Oh là là, j'ai fait le con. J'ai fait le con. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, c'était un bon match. J'ai bien aimé le match. C'était pas mal. Malheureusement, j'ai pas réfléchi sur le coup. Je pensais que feu follet ça allait le brûler. J'allais mieux résister. Mais j'ai oublié que sur les types feu, forcément, ça c'est sans effet. Enfin bref, c'était un beau match, je trouve. Malheureusement, c'est moi qui ai fait le con sur la fin, malheureusement. Mon allié, il a très bien joué, mais voilà, c'est moi qui ai fait le con pour une fois. Il faut bien un début à tout. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un peu longue, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et je vais faire un petit montage, je verrai pour couper un peu plus. Mais enfin bref, sur ce, moi les gens, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, bye.